Il vient juste de passer par cette porte. Je parie qu'il s'en va encore au bar. Maman dit que papa nous a quittés. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est elle qui l'a mis dehors. C'est gentil, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Tu es gentille, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Tu es gentille, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Tu es gentille, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Tu es gentille, Didi. Ça ne veut pas s'ouvrir. Mais tu pourrais la forcer. Tu es très forte. Allez! Mais c'est l'incroyable Vincenzo! C'est un illusionniste connu dans le monde entier! Qu'est-ce que papa peut bien faire avec lui? Allez, Vincenzo, ce n'est qu'une simple bobine de film présentant votre numéro. Pourquoi ne pas me la prêter, rien que pour cette nuit? Parce que c'est mon numéro top secret. C'est pourquoi j'ai dit à mon agent de le garder sous-clé dans son bureau en haut, jusqu'à ce qu'il l'apporte en Europe pour préparer ma nouvelle tournée. Je veux juste le montrer à mes investisseurs. Ils voudraient en savoir un peu plus sur vous. Monsieur Fenris, j'ai exécuté mes numéros d'illusion dans les 48 États américains et dans les 11 provinces et territoires canadiens. J'ai joué pour le roi d'Angleterre et l'empereur du Japon. Il y a des intouchables en Inde qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Vous pensez que je ne pourrais pas vous payer? Vous avez vu mon costume? Je loge à l'hôtel Excelsior. Je me suis renseigné sur vous, monsieur Fenris. On me dit de ne pas vous faire confiance. Figurez-vous que je me suis également renseigné sur vous, monsieur Incroyable. Vous n'êtes pas aussi riche que vous faites croire. Vous avez quelques dettes.
C'est pourquoi je suis sûr que vous accepterez de participer à l'inauguration de mon cirque. Vous osez m'accuser ? Regardez, j'ai déjà une affiche magnifique. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre bobine de film. Tant que je n'ai pas de dépôt de garantie, je serai idiot de vous prêter quoi que ce soit. Ok, je vais vous faire un chèque. Content ? Content. Vous en faites pas, je vous appelle dès demain. Heureux de vous avoir rencontré. Merci pour le verre. Maintenant, il faut lui apporter. Je crois qu'il est allé au cinéma retrouver ses amis. Monsieur Fenris, j'ai joué pour le roi de l'univers. Il y a des singes qui connaissent l'incroyable Vincenzo.
si vos investisseurs n'ont pas entendu parler de moi, ils sont stupides. Oh non! Pas moyen de traverser! Je sais. Si on arrivait à faire fonctionner ce projecteur, je pourrais te suivre avec. Mais je crois qu'il n'y a plus de courant. Peut-être qu'on peut utiliser tes luminaires. Est-ce qu'il t'en reste? Je ne peux pas sauter aussi loin. Peux-tu m'aider à traverser? Ouf, c'était vraiment un grand trou. Oh, attends, je crois que je peux passer à travers. Comme je te l'ai dit, je suis bonne pour arranger les choses. Peut-être que tu peux trouver un autre accès.
Didi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censée être dehors à une heure pareille. Où est ta mère? Est-ce que maman t'a vraiment mis dehors? Tu nous as espionnés au cabaret? Est-ce que tu reviens à la maison? J'aimerais bien, mais je dois encore convaincre ta mère. Elle est là? Non, je suis sortie sans permission. Eh bien, tu grandis vite. Il n'y a pas si longtemps, t'avais encore peur du noir. Mais est-ce qu'elle t'a vraiment mis dehors? Oui, on peut dire ça. Mais je n'étais pas très gentil avec elle à l'époque. Je l'ai un peu mérité. Tu m'as manqué. Oh, tu m'as manqué aussi, ma grande. Mais je vais revenir bientôt. Je suis en train de monter un cirque. J'ai un gros budget. Et tu sais qui en sera la vedette? L'incroyable Vincenzo. Tu m'as l'air drôlement bien renseigné, toi. Oui, tu as raison. L'incroyable Vincenzo sera le clou du spectacle. C'est le meilleur, pas vrai? Bon, tu ne devrais pas être dehors aussi tard. Je te ramène à la maison. Je t'ai apporté... Chut, chut, chut. Mais... Chut, écoute, je dois rencontrer des investisseurs et ils n'aiment pas trop les enfants. Je veux que tu rentres à la maison, d'accord? Mais... Didi, file d'ici tout de suite. Je ne dirai pas à ta mère que tu es sortie sans sa permission. Allez, fonce! Ah, Carmine, Silvio! Il n'a pas le film pour leur montrer? Son nom, c'est Salvio. Alors, pourquoi on est là? Salvio, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai une grande nouvelle! Vincenzo est partant! Il faut leur montrer le film! Tu l'as, t'en es sûr? Puisque je vous le dis, il accepte de jouer à la soirée d'inauguration. Avec lui, on va faire un carton! Alors c'est pour ça que tu nous as amenés ici, hein? Tu vas nous montrer son numéro. Exactement! Mais je crois que le projecteur est cassé. Parce que si tu l'as pas, ton cirque va foirer. Et tu ne vas pas pouvoir nous rembourser. Et alors, il faudra que je te casse les bras. Ensuite, on vérifiera si tu sais bien nager. Écoutez, il me faut juste un peu d'argent pour... finaliser les choses avec Vincenzo. Tu te fous de moi? Sur quoi as-tu dépensé notre argent? Ton avis? Vous allez tout récupérer en... Oh, montre-leur le film! Montre-leur le film! Ça. Regarde ça. Il est incroyable. Je vous avais bien dit que je l'avais. D'accord. Allons chercher ton argent. Je vous remercie. Je passerai demain pour le prendre. Ça ira? Relax. Allons prendre verre. Je connais un gars qui va pouvoir remettre ce doigt en état. Ça m'arrange pas, là. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Dis donc, t'es pressé? Ça doit être une sacrée belle poulette, hein? Tu veux qu'on aille rencontrer la poulette de Johnny, ça? J'aime ça, les belles poulettes. La poulette, c'est ma femme. J'ai toujours voulu rencontrer ta femme. On va jouer à la canasta, juste nous quatre. Mais... On t'a pas demandé ton avis, Johnny. On t'explique. Ils vont faire du mal à ma maman! Thank you.